à la réponse à madame la secrétaire d'État qui avait pas écouté la chanson, qui a balancé des trucs incroyables sur la chanson, une petite pipe dans Aller dormir, qui est une aimable bluette, qui était un petit peu dans la famille des sucettes de Gainsbourg, et qui par contre est allée très loin. La famille Laurence Rossignol, elle n'avait pas du tout apprécié. Hein. Et donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Madame Rouge-Gorge, j'ai changé le nom de l'oiseau puisque ma pipe lui est restée en travers de la gorge. Mmh. Et une chanson que j'ai pas eu le droit de chanter sur France 2. Exactement. On me demandait de pas la chanter. Et alors du coup, vous lui répondez quelques mois plus tard, madame, pour la leçon de morale, je dirais plus. J'irai plus pipe, promis, mais fantaisie musicale. D'ailleurs, je donne des cours, si ça t'emballe, tu peux toujours y venir, alors, au moins tu sauras de quoi tu parles. Et elle a réagi ou pas? Elle a réagi? Non, je pense qu'elle s'en fout. Moi, je pense qu'elle s'en fout. Elle est comme beaucoup de ces gens politiques qui parlent de ce qu'ils ne savent pas, parce que quand elle en a parlé de la chanson, elle n'avait jamais entendu. C'est quelqu'un qui lui en a parlé. Ouais, il y avait une confusion. Et elle a quand même parlé de pédophilie et d'inceste. Je veux dire, elle a tout mélangé. C'est à l'image de ces gens qui sont ailleurs, quoi, qui sont... Ils ont peut-être d'autres choses à côté, non? Oui, justement, ça serait mieux qu'ils s'occupent d'autre chose que de ça. Bah, oui.